capable créer tout mais y sérieux pour yo bataille contre cause insécurité en de pays yo demandé avec autorité concernée pour dire un mot c'est chef yo chef pas plein chef doit agir parce que c'est l'état qui gagne monopole violence légitimement pour capable contre carré ben question insécurité en de pays plateforme bouclier li exhorter chef l'état pour capable entamer ça les négociations sérieux avec différents secteurs dans vie nationale là pour capable déboucher ce sanglé yon entente pour permettre que élection honnête crédible démocratique capable organiser un des pays c'est ça capable en bas notre ça pour capable dans notre ça pour plateforme bouclier mon qui peut ici a-t-il en bas notre ça c'est ancien député profane Victor mais qui c'est président plateforme bouclier. N'ayons enquête, coup de compte mené suggestion, Magali habitant pour 6 pour un mois, elle était passée dans tête SMCRS. Fondation GT pour venir un rapport environ 40 millions de gouttes dépensées sans respecter aucun norme, comptabilité publique. Mario Lengi l'a parlé, concernant un chèque, 16 millions de gouttes pour acheter caoutchouc, 12 millions de gouttes de frais fonctionnement, 11 millions de gouttes pour assainissement. Une dépense sans respecter aucun principe comptable public. Rapport ça pouvait, Magali habitant, abjet boîte ça, t'as boutique personnelle. D'après défenseur Dormouna, Mario Lengi l'a quitté dans le micro Romanès ce samedi. 5h50. Donc, comme ça, il y a une enquête pour des comptes dans l'allée sur Mme Magali Habitant qui s'est enseignée qui est SMCRS, Ralph Rouy, directeur administratif, Rose Mangeau-Ducœur, comptable en chef, Jocelyne Bourgeois, la coordonnateur projet, et puis Mme Guy Lafleur Pierrette qui est comptable public en chef. Mais, n'a pas vu, il faut nous profiter pour nous dire. Et je dis à qui ça nous constate. Nous constatons que l'audience publique qui a fait dans la chambre affaires financières, dans le cours des comptes supérieurs administratifs, n'a pas toujours attiré la presse, grand public, l'organisation qui a mené la lutte contre la corruption. Donc nous croyons que il n'y a pas mauvais géosur pour capable faire la population connaître la qualité de zone qui gagne dans l'administration publique. Là. C'est ça qui justifie le rapport ça que Fondation J'éclaire lui-même, lui partager avec le public là pour nous que bien des côtés, il faut que j'ai la population veille parce que c'est l'agent qui a gaspillé sans pas respecter aucune norme dans ça qui est dépassé l'agent. Pour que ça fait 6 mois seulement que vous faites, donc c'est la commission qui a gagné pour les potes. Dans le rapport et ça, que le coup de potes mène, ils ont élevé un paquet de l'argent qui dépensait, alors que par exemple, et papier qui est capable de justifier. Il y a 12 millions de gouttes frais fonctionnels pour SMCRS, non. Alors que la loi définit, par exemple, 16 676 pour achat de caoutchouc machine, et puis pas de machine, et puis pas de machine, et puis pas de machine, transparence, exactement. On a 11 259 qui dépensaient pour assainissement. Qui jusqu'on est là pour que j'aime justifier. Lorsque le rapport a été totalisé, environ 39 879 776 gouttes qui dépensent dans 6 mois en dehors des normes comptables établies. Parce que c'est non pays inhabit, il y a des normes que la comptabilité lui-même prévoit pour leur dépenser l'argent d'État. Ce n'est pas même droit fourrer maintenant pour tout pour dire qu'il doit acheter un fresco ou bien plutôt acheter un pistache ou bien pour acheter un crème. Et même là où toucher chaque. L'autre côté, Mario Lengi, la fait qu'on est Magali Habitat et essaye de défendre les devoirs la Cour des comptes. L'idée, elle était jeune autorisation ministère intérieur collectivité territoriale pour dépasser l'agence à FJKL quoi reste enquête la capable, puis grave, toujours, les considéré façon équipe sa table dépenser l'agence à ayant facilité. Non, ça, c'est la Fondation J'éclairé réclamé un arrêt débat pour Magali Habitat et puis pour la loi Pinil, Jean Sabrivois, dans le code pénal Pédaïti. L'autre côté, Mario Lengi, là, pour deuxième fois dans mes collaborateurs nous romanais samedi. Les apprendre le pouce à le faire dépenser en veux-tu en voilà. Il dit que lui te gagne supérieur, lui personne concernée, lui qui c'est ministère de l'intérieur avec collectivité territoriale qui ont même été facilités pour être capable de faire dépenser en veux-tu en voilà. Mais faut que nous disons SMCRS la loi lui clairement définit limite côté le capable de mission. Mission service SMCRS l'ICHITA dans une zone Port-au-Prince, à savoir, dans une zone métropolitaine, dans une zone dite Carrefour, Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Tabre, si des soins quoi des bouquets avec zone montagne noire, alors sur nous, des opérations qui faites dans le nord. Donc, Magali et habitants, t'es obligé
et pour lui impliquer responsable instance concernée lui qui c'est le ministère de l'Intérieur qui c'est lui-même qui tutelle lui dans quatre dépenses pour faire en vertu en voilà avec l'argent l'État. C'est pour ça auditorat lui-même yo demandé là pour là pour yo bail madame habitant avec toute équipe y a administrateur comptable chef qui était capable et bayo et yo arrêt de parce qu'il y a faute de gestion, il y a gabegie administrative et puis il y a détournement de fonds publics. Très bien. Ou pensez que le pire ou gagne raison pour inquiéter dans reste enquête là? L'éclair, ou pas besoin et passer par quatre chemins pour capable ouais. Et pas bien qu'elle saute, quand elle même quand elle m'a couru, par rapport à des gens de dépenses eux-mêmes, et ils pourraient aller les faire. Donc nous croyons que la loi prévoit des condamnations par rapport à des gens qui détournaient l'argent l'État ou bien qui dépensaient mal. Et ou bien pour remettre comme la mine pour droit, ou bien tout pour capable d'aller jusqu'à 9 ans de prison. Ça t'a pas le dit là, pour 6 mois ça seulement, tu as 159 719 104 millions de dollars qui t'a gagné et puis t'as capable à le remettre. Donc nous croyons que ça qui a passé la journée aujourd'hui, il y a l'autre bagaille qui a détourné l'argent de l'État, gaspillé l'argent de l'État, fait mauvaise gestion de l'argent de l'État. 5h55. Marie-Hélène Gilles t'a profité pour te quelques explications sur rapport t'a produit sous ancien directeur général police nationale à Michelin Gédéon. Défenseur doit mon démenti parole qui t'a fait quoi? FJKL a participé dans un complot contre ancien DGA à avantage Normil Rameau. Marie-Hélène Gilles rappelé yon seulement travail à partir de yon travail coup de compte t'a déjà commencé. En côté yon dernière fois, Marie-Hélène Gilles toujours dans le micro Romanès samedi. Pas rien l'idée préconçue, c'est pas enquête nous mener sur nous, c'est enquête nous mener par rapport avec nos rapports que pour des comptes lui-même lui sorti. Si mal mène une enquête sur pour former chanceté, bon, par contre, c'est ça y est, ça dans la chemise. Non, ça c'est dans un autre bagage, mais on produit un document, nous dit qu'il est analysé pour nous faiblesse avec force. Maintenant, en dans rapport FJKL là, il parlait de l'argent, il y a des gens qui disent surtout, en dans ça nous dit quelque part, est-ce que pas y a de non dit, puisque FJKL lui-même, comme institution, il parlait de un paquet de bagailles, et puis, il y a même parlé de relations FJKL avec des gens qui n'ont greffe. Et je me dis ça, coup d'un côté là, au print ou gon camarade qui n'a greffe là même, c'est membre ou bien c'est monde qui n'a cabinet Samuel Madistin. Donc c'est comme si c'est de monde qui a fait des bagages contre Michelin Gédéon. Non, pas well comme ça, parce que tout tribunal. Non, moi, m'tendez. Parce que ça, m'traite ou là déjà. Moun yo ka di n'importe. Moun moun ka di ça, ou vle ou d'ailleurs ou habitué à ça. Moun enterre moun touye moun plusieurs fois. Cependant, il faut voir que toute audience dans le tribunal est au public. C'est pour ça d'inviter la presse qui est ouverte dans différentes audiences qui ont fait dans le niveau coup des comptes dans tout. C'est même gens les gagnent dans le tribunal première instance ou toujours la presse là, tout le monde là a regardé. C'est même gens avec coup des comptes. L'audience est publique. Audience sur public. Mm-hmm. Donc, elle pas pense que moi-même là pour pas capable aller suivre un procès. Non, tout procès public. Au contraire, c'est si l'en cachette pour nous dénoncer. Pour nous dire pour qui ça fait des audiences en cachette, pour ça des activités qui sont publiques qui ont fait ça. Il y a des gens qui disent bataille qui a fait là, c'est une bataille entre Michelin Gédéon et Normil Rameau. Comme quoi, Younan yo a vu nouveau directeur général PNH là. Donc, l'équipe de Normil Rameau a poussé. Gardez sur le cabaret Michelin Gédéon. Ça n'a pas qu'à rentrer dans la lutte entre deux policiers qui ont fait carrière ensemble en deux institutions policières. Ça, c'est ça lui-même qui est capable de dire. Sauf que moi-même, à mon année conscience, je n'ai pas aucun problème avec Michelin Gédéon. Et Michelin Gédéon a dit publiquement. Et là, il parle avec mon Hélène Labdou, Madame Gilles. Labdou, il est toujours dit seul. Et Hélène, toujours dit le frère. Donc, c'est ça seulement que je n'ai pas un problème personnel. Avec P, son qui plie des noms, Mille Rameau, qui plie des Michel-Ange, j'ai bien pas quoi tout. Et pour maturité, que moi-même, je crois que pour temps passé, dans la question militance ou bien l'investigation, de mener des enquêtes de terrain, je ne veux dire, je ne ferme le doigt pour ma petite mon tirail et ma droite bien à gauche. En tout cas, on va regarder ça, l'autre qui parle français, on te dit l'avenir dira le reste. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons suivi des dénouement à faire ça dans toute phase pour nous voir qui est procédure là avant. 6 heures.
Voilà, ça c'est déclaration Marie-Hélène Gilles, lui-même qui c'est un responsable dans FJKL, Fondation J'éclairé, qui a travaillé sérieusement là, non produit un ensemble de rapports, d'enquêtes que le menait sur un ensemble de dirigeants qui passaient, un ensemble de monde qui passaient dans la fonction publique là, dans la gestion de gain, il y a en tête, il y a une institution ou pas. Bon, nouvelle sans déjà balé dans titre, il était fait, jusqu'à présent, il a fait la une sur tout réseau social, il a déclaré en République dominicaine, ancien un président pays, Elmi Thierry Martelly, hein, persona non grata. Persona non grata avec, ancien président pays, Michel Joseph Martelly, qui est à Paris là, jeudi à là, pour t'aller fêter date 14 mai, hein, 14 mai, janvier, date ça, son acquis important pour tout ça. Pourquoi c'est non date ça? Il était président. Il était président chaque 14 mai, toujours. Eh bien, à travers un communiqué diverses organisations civiles, dans société, dans pays Saint-Domingue, mais il a déclaré avec l'ancien président d'Haïti, qui c'est Michel Joseph Martelly, persona non grata en République dominicaine, après ça que nous-mêmes nous capables de lire nos prestations que l'État Balba avec Jazzy et suite Mickey, parce que sincèrement, ma bonne mentir, vous êtes tous à bras, suite Mickey a joué. Et vous connaissez Mickey a joué qui dégage yes. Parole, qui est bien chanteur, et pas président, non chanteur lui-même, il dit. Déclaration complète, nous déclarer persona non grata en République dominicaine, ancien président Michel Joseph Martelly. Qui t'a parlé là pour bandier concernant pays Saint-Domingue vendredi 14 mai 2021 qui donc à jeudi à là dans un espace qui est le Hard Rock Café dans Santo Domingo. Michel Martelly les mêmes au lié que pour t'a pensé bien pour t'a dit lié pour Gotol fait pays là l'été président séparé la Paris pour t'a fêter et date ça mais ensemble organisation ensemble de structures qui en dedans qui en plus dominicaine qui dans organe qui dans société civile là, en plus dominicaine. Yo dit tetio non ce moment ça c'est moment que pour ancien président Martelly ta chita souban hein souban pour souban côté la cour pénale internationale t'a capable juger le temps d'il pour crime contre l'humanité le faire contre peuple haïtien et pour question l'agent Petrocaribe à li gagoté avec équipe li qu'il manger li fait tout ça possible avec comme ça et pourtant population lui même toujours été dans misère toujours été dans la crasse alors que l'agent ça qui était là avec pour voilà, avec, pour te permettre que gain développement qui fait dans un pays ensemble de infrastructures réalisées, les gars côté l'agence, et puis je dis à là, les apparaît quoi pour la fêter question 14 000 dans la République dominicaine. Ensemble d'organisations, ça, eux même eux dit que, après un an, tremblement de terre 2010, là, qui t'est laissé 1,5 million haïtiens sans caille, t'es la gué dans la ria, t'es la gué tout uni. Après ça, t'es fin passé à là, famille, petite fille, petite garçon, moun qui perdit parents, yo, qui je dis à la gué, orphelin, orpheline dans la ria, eh bien, yo t'es doué, je viens support comme ça, je viens moyen pour capable aider yo dans réalité que yo t'a vu dans temps yo. Je dis à là, en plus, on a demandé avec le président Martelly ensemble avec ses équipes liant côté l'agent Petrocaribe a quitté environ 4 milliards de dollars fonds solidarité Petrocaribe que mes pays et Venezuela, là à l'époque, qui était le président Rafael Hugo Chavez, Fria Santé, avec Andy en échange de poté support avec le pays d'Haïti. Mais il était temps que l'agent s'attaque exactement. Pour tes supports, mais président Martelly, ancien président Martelly, les mêmes t'es réglé à faire parler avec ça. Côté le pas suspendu, reconnaître que en 2018, bien, président, ancien président Martelly, investi, d'après ça, on dit, non, yon hôtel 5 étoiles, investi, gros l'argent, on a question ça. Eh bien, ensemble d'organisations, ça, que dit jeudi, à peuple haïtien, a souffri, yon a gregou, yon a misère, yon a la crasse, alors que équipe politique mafieuse, pour nous dire bien parti, haïtien, tête calé, PHTK, ensemble avec une autre série de leur structure fasciste, fasciste, pour nous dire bien, qui est que président Martelly créant dans la société, ya, mais y a rien la vie, peuple haïtien, avait une pimal, ensemble d'organisations, ça, on dit que jeudi, à là, ancien président Michel Joseph Martelly, lui, ensemble avec les équipes PHTK, il est responsable de misère, de calamité pays, qu'on est là, de moun, qu'on est jeudi à là, parce que il n'a pas réglé un rien sérieux. Et il quoi, jeudi à là, pas de question pour le président Martelly, à prendre plaisir, à fêter 14 mai, pendant ces temps, compatriotes haïtiens, qui en Haïti, surtout, a vu dans la misère, dans la crasse, peut-être ça, il quoi, qu'il a déclaré avec l'ancien président Michel Joseph Martelly, persona non grata. Et est-ce que c'est seulement ce domaine, il a déclaré persona non grata? Est-ce que l'autre côté encore pas déclaré avec Elmi Thierry Martelly, persona non grata? C'est question, plus, mon a posé, mais, déjà, dans les coulisses, dans les couloirs, un peu, le bruit a couru là, et
est-ce que tout ça va tourner en 2022? En tout cas, et est-ce que tout, pendant toute cette année, l'élection, tout va le courir, personne n'a gâté, et de tout ça, en Haïti, surtout, puisque on est en plein monde reproché tout ça, pour ça que l'ICOMET est comme gros crime, crime financier qu'il fait avec pays, pendant ces temps, et, population elle-même toujours été dans la crasse, ou ensemble, comme débloquer, ensemble, comme manger, surtout la Jamaïque au Caribéa, mais on n'est pas jamais fait. Nous sommes gérés et je marchais poisson, l'autre côté encore, l'hôpital général, qui jusqu'à présent là, qui est plus que 10 ans, qui va jamais qu'à finir, côté l'agence à fait, mais sont ensemble de l'agent, ensemble de comme on demandé, exactement, on demandé compte sur. Mais ensemble de structures, organisations de base qui signent notre ça, qui déclarent personne en non-gata avec un président Martelly en ville dominicaine, c'est Parti communiste de travail PCT, Mouvement populaire dominicain MPD, Agenda solidarité RD, Bloc populaire Jesus Hardon Front, les Mouvement rebelle comité patriotique Francisco Alberto Camanero, Deno, Mouvement de solidarité Mocano avec les PEP de PEP Comité Dominicain et Amitié à Caisse Solidarité avec un PEP Comité Dominicain droit de monde qui a défendu droit de monde Action Afro-Dominicaine Coalition Organisation Populaire Sociale et Féministe Sibao Fenatrano Solidarité Dominicaine avec Haïti. C'est parmi ensemble organisation de base qui ont même l'organisation disons bien la société civile en République Dominicaine qui déclarait personnellement gâté avec l'ancien président Martelly qui lui-même t'a parlé là ben, parlé là pour fêter 14 dans un espace en Santo Domingo, en République Dominicaine. 6h05. Dossier économie dans le journal La Économie et économiste Edzier Emile présente un tableau somme sous situation économie payant pendant dernier temps sa yo. Yon croissance économique qui pipiti passé 3.3%. 4 millions moun a vivent nan misère nan monde nan parmi yo Haïti. C'est parmi raison Edzier Emile cité pour pouvoir économie payant grave en pile. Professeur Amadé dirigeant on a l'état prend tout temps mesi dans l'idée pour capable redresser économie payant nous pral la permettre aux côtés économiste Edia Emile qui Jean nous saute tout à l'acte après qui présentait un tableau sombre sur situation économie payant pendant dernier temps ça. Voilà, avant nous aller avec économiste Edia Emile sous même pour finir avec dossier ça net CV et puis auditoire Radio Méga concernant et ensemble d'organisations ça qui déclare personne non gâté avec président Matélian mais hier soir tout le monde a regardé petite vidéo ça où nous sont ensemble avec Mika 20 de tout ça font petite vidéo côté yo minimisé alors c'est deux proches de Moudzi Nelson bandit légal Nelson comme musique ça bandit légal voilà hier et bien Nelson ensemble avec Mika 20 hier là notre coup de vidéo fait, yo minimiser, yo publier sur toutes réseaux sociaux yo une petite vidéo pour minimiser causer personnel non grata ça que ensemble d'organisation ça parler à. Et bien monsieur ça yo fait qu'on est Michel Matelly Guetan en République Dominicaine et ouais par ouais Arsua là la je balle la tête calée. Yes. La je balle la tête calée, a dit est-ce que ça t'est arrivé là même chose j'ai une vidéo dame quoi quitter non activité consacrée élevée on va prendre quatre qui t'a demandé côté Jamaïque Caribéa. Yes. Est-ce que pas une réalité ça je dis à la dans balle ça ensemble de monde pas l'entrée comme monde qui vient participer dans balle avec quatre dans même comme côté Jamaïque Caribéa monsieur certain n'a tout dernier nouvelle yo en tout cas bon j'en ai dit ça parce qu'on connaît nous mais quatre parce qu'en plus côté tout et en plus côté tout ça y est ensemble de haïtiennes qui profiter à le faire passer revendication exactement qui diaspora qui dit famille a souffert en Haïti alors que lui-même faut qu'il bande une famille riche avec l'agent Petro Caribea n'a causé by Moto. Nous allons aller rapide avec économiste Diamille Jandia qui présente un tableau sur situation économique paysan côté quoi autorité conseil nous prend toutes dispositions pour permettre que économie capable reprend escape figili en côté économiste Edier Emile qui était parlé dans micro Radio Méga. Dossier que IHSC publié sur compte national de 2020 qui parlait de tout chiffre dans l'économie, hein, que ce soit croissance économique pays à jeudi à la que au bail pour 2020 qui était en croissance négative de moins 3.3%. En même temps, tout il parlait de performance secteur agricole qui était négatif, performance secteur énergie que le président parler de ça tout le temps, mais malheureusement, son croissance négative de moins 25%. Donc, tout janvier économique, ou pour la question finance publique, dépense l'État ou toujours plus haut que rentrée l'État, ou pour sur le plan externe, importation, il y a allé beaucoup plus long, plus rapide
que l'exploitation. Donc toujours mon problème de déséquilibre, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan de la finance publique, que ce soit également dans ça qui gagne à ouais avec question crédit dans l'économie qui n'est pas jamais suffisant par rapport à besoin. Si il y a un secteur économique qui marche bien, c'est le banque. Alors que parallèlement, l'économie elle-même gagne en mauvaise santé. Donc par rapport à ça, nous pensons que conséquences sont graves. Ou bien je dis à un peu de monde qui a quitté le pays parce que la situation est précaire. Il y a des businessmen qui ont fermé à l'investissement domaine plutôt. Ou bien plus de monde aujourd'hui qui est dans une situation humanitaire. C'est à peu près 4,4 millions de monde selon le chiffre des Nations Unies publié en mars 2021 et qui est deux fois plus élevé que le chiffre qui a été gagné après le cyclone Matthew. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, l'important pour que nous débattions le sujet et ça, pour que nous attirions l'attention des dirigeants par rapport à la gravité de la situation, pour que nous gardions la question économique, gardions la vie chère. Pendant que vous avez un plan de relance qui a été proposé, publié et lancé en janvier 2021, qui est le pré-POC, plan de relance économique post-Covid, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas mis en œuvre le plan, nous n'avons pas le résultat plan. 6h10. Économie c'est dire le fait qu'on ait fait le même kidnapping n'a gain gros conséquences sur le secteur économique paysan. Responsable en firme consultation Haïti efficace là, on dit tout situation ça rend par en victime ou vin pipov. Dans ce salement d'autorité concernée prend toute disposition pour capable freiner machine insécurité à qui gain dernier temps ça yo en de paysan. En côté pour yon 10e fois, économie ça et dire Émile. Ça a décapitalisé classe. Qui n'avait décapitalisé classe moyenne, parce que tout le monde, c'est tout 10 000 femmes qui ont bail. Et presque tout le monde connaît le monde qui a été pris dans le pays. Donc, c'est dommage, c'est des gens qui ont fait comme là, ou des gens de population. Hein. Pour après, on peut acheter des cailles avec l'argent cash Saint-Domingue, avec l'argent cash en Haïti, baronnet, pour mettre dans un beau kit, pendant que la population, hein, en plus de l'économie, n'a pas de marché. D'obliger jeune l'argent pour que les pays la question leur sont. Et c'est des situations qui non seulement dérangent mon mieux mentalement, mais qui appauvrissent, qui décapitalisent et qui fait que mon mieux tout en plus tendance quitter le pays à l'équipe ça arrive. Au top côté, les amis auditeurs, déclaration économiste Edier Emile qui t'a parlé sur situation économique pays et qui non seulement dressé un tableau noir coulant comme tout fait qu'on est phénomène kidnapping qui a gros conséquences sur secteur économique pays responsable firme consultation Haïti efficace là dit tout situation ça rend par un victime au vini pi pauvre dans sa salle demande autorité concernée pour toute disposition pour freiner insécurité en dans un payant nous prenons avec graduation ça qui fait non un local école police là police nationale d'Haïti gradué 3e corps inspecteur hier jeudi 13 mai 3e corps ça gain là-dedans 94 inspectés parmi 7 femmes dans cadre graduation ça qui t'est faite ambassade Canada dans pays d'Haïti sur Savage Subopal qui était présent dans activité ça expliqué nouveau corps ça prend force PNH là dans l'idée pour capable bien fait travail li pendant l'encourage inspecteur ça pour prendre toute disposition pour capable aider agent yo garantir sécurité tout citoyen et puis faire promotion pour droit moun ambassade a fait qu'on y a travaillé dans tête collé à co commandement dans l'idée pour mettre en place un plan qui a renforcé capacité PNH là le directeur général pour un petit bout de temps PNH là Léon Chalté là tout et ben intervention li fait qu'on est une formation ça qui était commencé depuis 6 décembre 2020 fait dans un contexte difficile toutefois les formation ça c'est pour perfectionner travail police ça pour combler attente population dans affaires sécurité.
Voilà, t'es gagné là, c'est tout dans le cadre d'activité, ça, tout est gagné, présence, ministre justice, à la sécurité publique, là, qui s'est roi, café, l'herveur, ça, qui t'a présidé cérémonie, ça, et encouragé, général, DGAI, PNH, qui s'est Léon Charles pour placer inspecteur, ça, yo, sur terrain, ça prend temps, dans l'idée, pour mettre en application, formation, yo, ça prend, toutefois, l'y rappeler, y'a une série, défi, à cas, événement, police nationale, là, gagné, pour faire face à un tacou, référendum, à élection, pour renouveler personnel politique, là, avant longtemps. Parole, ministre justice, c'est un waka Félix Vincent qui parlait dans le cadre de dossier si là. Gagne premier ministre AIPI, qui c'est Claude Joseph, qui lui-même, et Claude qui démenti parole, qui t'a fait quoi président à Chachéa. Nous n'a dit que chef gouvernement, et même fait qu'on est là. D'après que le président a cherché à changer constitution pour le cas et poser candidat pour réélection, chaque gouvernement croit pays a dû profiter de crise institutionnelle ça pour changer maman loi paysan, réadapter à la réalité moment. Jean Dédian là, ministre de la Justice, là, pour nous retourner avec Claude Joseph en Mélan, nous retourner avec une activité graduation. Cohorte, troisième cohorte inspecteur, Judith qui était 13 meilleur, côté troisième cohorte ça, et qu'elle a donné 94 inspecteurs parmi eux, 7 femmes, et gagné directeur général à IPNH qui était là, Léon Charles, gagné ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, Stuart Savage qui était là, et j'en dédié à tout ministre de justice, en Waka Félix Vincent qui t'a présidé cérémonie, et encouragé général en chef, police non, mais pour nous dire bien DGAI police non, Léon Charles, pour placer inspecteur ça au souterrain, prend souterrain, sans prendre temps dans l'idée pour mettre en application formation yo se prend toutefois les rappeler une série de défis à événement police nationale la gain pour faire face à ta cour référendum pouvoir kembe tête droite pour organiser 27 juin qui a venu là à élection pendant fin année 2021 pour renouveler personnel politique là en côté ministre de justice à sécurité publique là on voit qu'a fait l'air Vincent dans micro 6h15. C'est en ce sens que la graduation de 94 inspecteurs élèves qui ont intégré l'Académie nationale de police depuis le 6 décembre 2020, afin de recevoir la formation nécessaire de cadres intermédiaires, arrive à un moment crucial et déterminant de la vie de cette institution. L'inspecteur de police est le cadre intermédiaire par excellence qui assure le relais entre le corps des commissaires qui planifient et celui des agents qui exécutent.